Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait une fausse Séraphine pour aller sur un Xelor haut retrait PA PVP. On vise un jet Near Perf sans soin, évidemment, avec une transe dommage distance. Bon, il y a une invoque, c'est un peu léger. Il y a 15 de soins dans lesquels on peut puiser, donc ça peut se faire sans brisage PA. On va essayer de tryhard un peu comme ça. Là, on a 20 de puits, ça va être un peu short. Il faudrait qu'on arrive à crit des grosses runes, et ça peut peut-être le faire. Faut notamment passer la Ravie. Voilà, le crit Ravie par exemple, ça c'est magnifique. Il nous reste Rasha, Passa, Doho. Ouais, il y a quand même beaucoup de trucs à mettre. Hein. Oh là 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 là, dingue. On va mettre ça maintenant. Je vais me garder la Passa à la fin parce qu'à la limite, on peut négocier. Moins 6. Il me reste 9. En vrai, tacle ou Passa? Ok. Est-ce qu'on a l'invoque? En vrai, si on a l'invoque, je crois que j'accepte limite le G. Pas d'invoque. On continue. 28 de puits. Il nous faudrait une ravie qui passe bien. On a moins 10. On enlève l'over. Bon, c'est un peu compliqué là. Il nous faut un petit Doho, moins 5. On va mettre la papuie maintenant. Moins 6. La pacha, moins 6 également. Reste 1. On n'a pas l'invoque. Bon, là, je me sens un peu bête parce que je viens de balancer une passo sur un G où il manquait juste une passa. J'avais pas vu que j'avais monté le G à ce point-là en gérant bien mon item, donc c'est un peu terrible. Je pense que je vais remettre l'invoque direct. Qui passe, évidemment. Est-ce que je peux tenter une passa? Parce que là, franchement, ça a l'air de quand même plutôt bien se faire. J'ai envie de tenter la passa, c'est un peu ambitieux, mais si je crit une passa, là, c'est une dinguerie. Hein. Allez, on va tenter la passa pour le beau jeu. Quoique. Est-ce qu'on a un peu de puits en rab? On a un de, on a trois de puits. Je peux tenter une rune sagesse, au moins. Oh, je me sens tellement bête d'avoir mis la passo. Si j'avais mis la passa à la place et que ça me faisait pareil, c'était incroyable. En vrai, j'ai voulu jouer. Si le retrait PA passe là, c'est absolument fou. Ok, dommage. Dommage. J'ai voulu jouer parce que j'ai l'impression que ça se fait quand même relativement bien. On va réussir à sortir un truc clean. Ok, on continue. Je me sens vraiment bête d'avoir mis la passo du coup, mais. On continue, ça va le faire. 26 de puits. Bon, là, la Vita, elle est un peu problématique. Faudrait juste pouvoir passer une pavie. Magnifique. 24,8 de puits. Il nous faudrait une ravie, là. Ok, moins 10, on l'a. Faut y aller comme ça. Comme ça. Eh ben, il est pas mal l'item en vrai là. Il nous faut la petite papuie qui crit, incroyable. Il nous reste 14. Allez, en vrai, une pacha, une passa, c'est plié. Oh! Allez, la passa et l'invoque et on est good là. Oh là là! Moins 9. Il reste 2 de puits. On peut mettre. Objectivement, une tente à puits plutôt, parce qu'elle a plus de chances de passer. Ça aurait pu. Les amis, si on a l'invoque là, c'est magnifique, c'est juste incroyable. Est-ce qu'on a l'invocation? Oh là là! Je pensais que ça allait être une énorme purge à faire. J'avais vu des items HDV qui étaient assez chers, mais je me disais les G sont clean et tout, c'est du near perf si on exclut le soin. Et là, bah en fait, je viens d'en sortir un en à peine quelques minutes sans trop me casser la tête, donc je suis bien content. Je l'ai crafté en plus, ça m'est revenu pas trop cher. J'en ai eu pour à peu près 13 millions de craft. Et même pas 1 million de runes. Et j'avais hésité à acheter des G à 30 millions qui étaient moins bons que celui que je viens de faire là. Donc incroyable. J'ai bien fait de. J'avais bien senti qu'avec l'invoque et le 15 de soins dans lequel on peut taper, ce serait pas trop compliqué à faire. C'est pour ça que j'ai pas voulu lâcher une grosse somme pour me le faire. Bah, je suis bien content de m'être dit, allez, je vais quand même tâter un peu l'item avant de lâcher une grosse somme dessus parce que je voudrais appréhender un peu la difficulté. Et j'ai vraiment bien fait. Là, bah, c'est.
C'est exactement conforme à ce que je voulais, donc je suis super content. Dommage distance en transcendance pour aller sur mon Xelor, puisque comme c'est une faux, ça se tape à 2 PO et on peut taper avec directement. Et en plus, elle retire des PA avec deux lignes de dommages haut, donc c'est juste magnifique. Incroyable, je suis trop content. Les amis, c'est la fin de cette vidéo de Forge Magie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Bonus, passage de rune de transcendance, patate de crit sur des 4 feuilles, j'ai parfait. Je vais en faire 2 pour l'instant. Hop, et de 1. Mon petit stock de 4 feuilles, il est là. J'avais acheté 10 4 feuilles, j'ai parfait. Et ça me sert très très bien. Hop, et le deuxième. Magnifique.